Je suis sur la scène, les amis. Je voulais vous faire un petit coucou. Et puis pour la pensée du jour, faisons attention aux diffamations sur les réseaux sociaux. Voilà, que l'on soit blogueur, que l'on soit personnalité publique, que l'on soit juste utilisateur des réseaux sociaux. Voilà, il y a eu un blogueur de la Côte d'Ivoire qui vient d'être condamné à de la prison ferme. C'est très grave. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on peut dire des choses, mais toujours en maniant les mots. Il y a un proverbe qui dit, bon, même si ça n'a rien à voir, mais c'est ce proverbe-là qui me vient à l'esprit, un proverbe, je crois, oriental qui dit que quand tu veux dire la vérité, trempe ta langue ou quelque chose dans du miel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute chose, il faut arrondir les angles. Voilà. La diffamation, c'est quelque chose de grave parce que ça affecte la personne, ça affecte les familles, ça affecte le travail et tout. Quand vous dites des mensonges ou alors des choses blessantes sur des personnalités, sur quelqu'un, sur les réseaux sociaux, ça affecte non seulement la personne, ça affecte son mental, etc. Donc faisons attention à la diffamation. Voilà. Merci beaucoup donc de votre fidélité et à très très bientôt avec ce magnifique paysage.